Terima <sweak> kasih telah menonton! Bienvenue à l'épisode 41 du balado du Dr. Kim. Donc aujourd'hui, après une longue absence, je reviens avec un épisode sur les suppléments nutritionnels. Donc j'ai eu dernièrement plusieurs questions à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui est tendance? Et puis ben, ça m'a intrigué de dire, ben ok, qu'est-ce qui se passe dans l'univers des suppléments nutritionnels? Puis... Euh, pour avoir rapidement là, survolé les internets à ce sujet-là, euh, je remarque que les choses n'ont pas tellement changé. Euh, moi, j'ai toujours les mêmes préoccupations, puis c'est un petit peu de ça aujourd'hui que je veux parler. Donc, euh, si vous attendez à ce que je vous fasse mes recommandations sur le produit X ou Y, ça ne sera pas le cas. Je vais plutôt parler de ben, comment on utilise les suppléments nutritionnels, quel est le, le processus, comment travailler avec ça, euh, parce que ça peut être super bon, puis ça peut être aussi euh, un gouffre sans fin là, au niveau de l'investissement financier, et il peut également y avoir des risques pour la santé. Donc, euh, les suppléments nutritionnels, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est en quelque sorte le Far West. Donc, euh, c'est un univers qui a... Euh, peu de régulation, peu de le cadre dans lequel les suppléments nutritionnels évoluent est assez flou. Donc, c'est pas quelque chose qui est rigoureusement supervisé. Il y a des gens qui sont remplis de bonnes intentions, qui sont de bonne foi, qui font un travail merveilleux au niveau de la fabrication des suppléments nutritionnels, mais ça n'enlève pas que euh, C'est en quelque sorte le Far West. Donc, euh, oui, il y a des règles, oui, euh, euh, certains éléments qu'il faut respecter, mais on se ramasse à avoir une très, très grande variabilité au niveau de la qualité des produits, euh, de leur fabrication, de leur, euh, même de leur utilisation. Donc, il faut être extrêmement prudent, non pas parce qu'on risque de mourir en utilisant un supplément, donc les probabilités que ça arrive sont euh, très, très minces, mais il y a plus de risques qu'on utilise un supplément qui est en Réalité ne fonctionne pas ou qui n'est pas exactement, euh, qui n'a pas la teneur exacte de ce qui est indiqué sur euh, l'emballage. Alors, les traditionnel, première chose, euh, outre la, la, la sécurité, l'aspect contrôle, euh, il faut vraiment savoir que les, la plupart des gens qui vont vendre ça sont vraiment bien intentionnés. Ils veulent faire un bon travail, ils veulent vous vendre le meilleur produit, mais leurs informations dépendent bien souvent du représentant des ventes du produit ou encore de ce qu'on retrouve sur Internet concernant un produit X qui est issu du marketing. Donc, c'est vraiment, euh, on va faire de la publicité pour un produit, évidemment, on va dire qui est bon. Euh, cette forme de publicité-là peut être extrêmement trompeuse des fois. Ça va euh, parfois même prendre l'allure d'une étude scientifique où on va utiliser des termes, ah ça, ça euh, c'est de, de niveau pharmaceutique. Donc, on va, on va emballer le tout euh, pour que ça ait l'air médical, que ça ait l'air scientifique, que ça ait l'air rigoureux, mais ça ne change rien au niveau qu'il va y avoir peu de contrôle. Donc, si on regarde, qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'un supplément euh, est correct, donc qui n'est pas euh, contaminé par différentes substances, que ce soit des substances issues de la fabrication, donc euh, des fois euh, les produits sont euh, fabriqués dans des cuves, ces cuves-là, ben, ça se peut qu'il y ait un peu de, de, de métaux euh, qu'on qu trouve là-dedans, pas, pas des, des morceaux de métaux, mais des particules. Donc, on peut trouver des suppléments qui sont contaminés avec des métaux lourds également la provenance de la, ma la matière première, ça aussi euh, ça peut parfois être contaminé. Donc ce c'est pas des choses que volontairement on va euh, insérer dans le produit, mais c'est des choses dans le processus de fabrication qui peuvent se retrouver là-dedans. Dans des chaînes de production, c'est possible que ça soit contaminé avec d'autres produits euh, qui sont fabriqués sur les mêmes chaînes de production. Donc il y a, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que le, le, le supplément nutritionnel va être exposé à d'autres substances. Euh, comment on fait pour savoir? Bien, il y a très, très peu d'organismes qui vont s'occuper de euh, contrôler ça. Euh, bon, il y a plusieurs organismes qui mentionnent euh, s'assurer de la qualité d'un produit. Dans la réalité, il y en a peu qui le font de façon extrêmement efficace. Donc, à ma connaissance, euh, il y a vraiment euh, la certification NSF. Euh, qui est une compagnie qui se spécialise dans les, les audits au niveau de la, tout ce qui est hygiène, tout ce qui est alimentaire. Donc, ça va euh, de la tuyauterie en passant par des équipements de décontamination de vêtements à, bien sûr, ben, des suppléments nutritionnels. Donc, il y a le NSF for Sports. Euh, qui est euh, un, une, une appellation, donc une homologation qui assure que le produit comme tel, sans matière première, euh, sont euh, sans contaminants. Donc, euh, ce qui est vraiment dans le produit, c'est ce qui est indiqué sur l'emballage à quelques écarts près là, au niveau des concentrations, il y a un seuil de tolérance, mais ce sont des audits euh, faits par la NSF qui sont extrêmement rigoureux, qui sont assez coûteux. Donc, il y a, il y a peu de compagnies qui vont avoir euh, cette homologation-là. Pourquoi? Bien, pour des raisons bien simples. Un, d'un point de vue business, euh, la compagnie, euh, elle n'a pas davantage, une compagnie de supplément nutritionnel n'a pas davantage marketing à avoir ce logo-là ou non parce que la population est pas vraiment au courant euh, de ce que ça signifie, donc d'avoir ça, je vendrai pas plus de produits, donc c'est pas intéressant. Ensuite de ça, euh, ben ça coûte des sous pour avoir ça. Euh, il faut aussi euh, faire le travail, s'assurer que tout est en ordre, tout est correct. Donc ça exige beaucoup et euh, ça rapporte peu. Donc c'est pas intéressant. Je comprends les compagnies de suppléments nutritionnels de pas chercher à avoir ça parce que ben, c'est du trouble et ça rapporte pas nécessairement. Donc, ça, c'est une raison. Puis, ben, tant que le public, tant que les consommateurs n'exigeront pas ça, il n'y aura pas de justificatif pour euh, justement pousser les différentes compagnies à avoir ce, ce logo-là. Donc, un, un, un produit qui est certifié NSF. C'est un produit dont on s'est assuré de la qualité, de la teneur, que euh, ce qui est indiqué sur l'emballage, c'est bel et bien ce qui est dans le produit, qu'il n'y a pas de contaminants, donc pas de produits dopants, pas de contaminants autres qui peuvent être problématiques pour la santé. Et euh, on s'assure aussi que l'entreposage, la fabrication, la distribution, tout ça, ça respecte certaines normes. Donc, c'est vraiment vérifié, c'est vraiment contrôlé. Et ça, ça fait en sorte que bien, on a des produits qui sont de plus grande qualité. Ça ne veut pas dire, par contre, que le produit fonctionne ou que le produit euh, va procurer des bénéfices énormes. Ça veut juste dire que le produit bien, respecte certaines normes, certains critères et certains contenus. Il y a d'autres homologations comme Informed Choice. Euh, made for Sports. Donc, il y en a plusieurs. Habituellement, ils exercent un contrôle un peu moins. Les audits sont un peu moins poussés. Donc, c'est des certifications qui potentiellement pourraient laisser passer euh, quelques éléments. Donc, euh, moi, de plus en plus, là, je, je porte mon attention uniquement là, sur, sur NSF jusqu'à preuve du contraire. Mais ça me semble être vraiment l'organisme qui va euh, vraiment donner un audit ou assurer aux consommateurs un minimum de qualité. Donc, tous les autres produits, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça ne veut pas dire qu'ils sont contaminés, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contrôle. Et à ce moment-là, ben, s'il y a eu des erreurs dans le processus de fabrication du produit, s'il si y a eu des accidents, etc., par exemple, un produit a été en contact inopinément avec un autre, ce pas supposé, c'est arrivé, etc. Peu importe des, des, des choses qui peuvent arriver dans les processus manufacturiers au niveau de la création des produits, mais il n'y aura pas de contrôle pour ça. Fait on, ça peut être problématique. Donc, si vous cherchez sur Internet, si vous cherchez dans les différents magasins de, supplé de suppléments nutritionnels, vous allez voir que euh, le petit logo bleu avec la lettre, les lettres NSF, c'est rare. On n'a pas ça beaucoup. Il n'y a pas tous les produits qui ont ça. Euh, donc, ça restreint beaucoup la quantité de suppléments nutritionnels qu'on peut chercher à incorporer un peu euh, dans notre, dans, avec notre mode de vie. Donc, euh, déjà là, ça restreint quand même un peu la sélection. Euh, il y en a beaucoup qui disent, c'est bon juste pour les sportifs, le NSF for Sports, parce que euh, ça évite d'avoir des produits dopants puis de contrôler positif un test. Oui, euh, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup, plus à craindre euh, auprès de différentes contaminations, euh, entre autres les, les, les métaux lourds, euh, qui peuvent apparaître dans les processus de fabrication ou encore un produit qui n'a pas la teneur. Euh, qui est indiqué. Donc, si on prend une créatine, c'est indiqué que euh, chaque portion, c'est euh, 8 grammes de créatine. Ben, si on prend une portion puis c'est 2 grammes de créatine, puis le reste, ben, c'est les, les agents de liaison ou de remplissage, ben, ça change l'effet du supplément potentiel. Donc, lorsque ça va être NSF, SF, ben, si c'est indiqué 8 grammes par portion, ça devrait être vraiment proche de 8 grammes par portion. Donc, ça, c'est pour l'aspect euh, ben, quels produits vont être disponibles? Ensuite de ça, comment on fait pour choisir les suppléments? Donc, il faut savoir que malheureusement, le marché des suppléments, c'est un marché qui est très lucratif. Euh, le milieu de l'entraînement, ce n'est pas un milieu qui est facile. Faire, surtout au Québec, euh, faire beaucoup d'argent avec des clients, c'est difficile. Ce n'est pas une grande quantité d'entraîneurs qui vont générer beaucoup, beaucoup de revenus uniquement avec l'entraînement. Ce qui devient intéressant, c'est quand on augmente les revenus par capita. Quand on va chercher pour un même client à avoir plus d'argent. Donc, comment on fait ça, bien en, avec l'entraînement, c'est difficile parce que bien, ça consomme du temps. Donc, si je passe une heure avec un client, euh, je vais charger mon taux horaire une heure. Si je veux faire plus d'argent, je dois y charger plus cher au niveau de mon taux horaire pour, entre guillemets, le même service. Ça se peut qu'il y ait des clients qui, euh, qui soient un peu réfractaires à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, pour la même heure, si je peux lui vendre trois suppléments à 60 chaque, là, je viens d'augmenter indirectement mon taux horaire. Donc, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue business, d'un point de vue affaires, c'est intéressant pour un entraîneur pour augmenter ses revenus. Donc, ça déjà là, euh, éthiquement, si on veut, il y a un intérêt. Donc, il y a un, y a un conflit d'intérêts. L'entraîneur, c'est intéressant pour lui de vendre plus. Euh, ça permet d'assurer ses revenus. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent avec les entraîneurs parce qu'il ben, y en a qui ont un intérêt pour l'argent, qui ont besoin d'avoir plus de revenus et ça peut inciter à vendre des produits qui ne sont pas nécessairement nécessaires. Donc, ça, il faut être prudent. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les entraîneurs sont mal intentionnés, que tous les entraîneurs, c'est des charlatans qui veulent juste vous vendre des suppléments. Il faut juste être conscient que c'est une possibilité et que, ben oui, il y en a, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on utilise comme supplément? Eh bien, il faut, ça part d'un besoin. Donc, le supplément euh, va chercher à répondre généralement à quelque chose d'extrêmement spécifique. Donc, il faut être en mesure d'identifier quel est le besoin qu'on cherche à combler à l'aide du supplément, puis est-ce que le supplément est la meilleure stratégie? Donc, je vous donne un exemple, et je ne suis pas de ceux qui pensent que ah, les suppléments, euh, c'est super bon ou c'est super mauvais. Moi, je pense que les suppléments, c'est des outils extrêmement intéressants qui sont malheureusement souvent mal utilisés. Donc le besoin c'est quoi Je prends l'exemple d'un athlète en endurance ou de quelqu'un qui s'entraîne qui fait du cardio. Donc on veut améliorer les performances aérobies. Et là il faut regarder qu'est-ce qui limite les performances aérobies. Donc ça c'est un élément important parce que si la personne elle a une capacité aérobie de 25 millilitres euh, d'oxygène par kilogramme de poids par minute, ce qui est très faible, on s'entend, pour un athlète d'aérobie. C'est minimalement 50 d'une de, de, capacité aérobie pour un athlète d'endurance. Donc, c'est très faible. Donc, si je me dis, je vais prendre un supplément qui va me permettre euh, d'améliorer mon endurance, c'est écrit là, sur la bouteille, là, ce supplément améliore l'endurance. Bien, ça ne me donnera pas grand-chose parce que ma capacité aérobie, c'est le facteur limitant dans ma performance. C'est tellement mauvaise que ben, je ne serais pas capable de courir longtemps parce que courir représente un pourcentage super élevé de mes capacités. Et par définition, plus je cours à une intensité élevée, ben, moi je peux courir longtemps. Donc, mon endurance ne sera pas bonne, pas parce que je ne suis pas endurant, mais parce que la grosseur de mon moteur est inadéquate. Alors là, la prise d'un supplément qui va améliorer l'endurance aérobie, ben, ça ne donnera absolument rien à la personne. Alors, Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va chercher à améliorer la capacité aérobie de la personne avant de supplémenter pour améliorer l'endurance aérobie. Donc, bien important de cibler quels sont les facteurs limitants dans les performances. Quand je dis performance, encore une fois, ce n'est pas juste pour les athlètes, mais bien les gens qui vont s'entraîner, ils veulent faire des performances quand ils s'entraînent. Les gens veulent soulever plus lourd, courir plus vite. Donc, c'est ça que j'entends par performance. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va euh, trouver un facteur limitant qu'on peut corriger? Je vous donne l'exemple encore du sport d'endurance. Euh, si on réalise que la personne a une bonne capacité aerobie, bon, par exemple, un VO2 max, une VO2 max à 55-60 millilitres et la personne veut améliorer son temps sur un demi-marathon. Donc, elle aimerait être en mesure de soutenir une intensité un peu plus élevée pour toute la distance de son demi-marathon ou de son marathon afin de le parcourir plus vite et améliorer ses performances. Et là, on regarde, OK, ben, qu'est-ce qui détermine l'endurance? Qu est ce qu'il y a des produits qui peuvent améliorer l'endurance? Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est on va regarder, euh, on peut chercher sur Internet, on sort la liste des produits. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ben, on va avoir des produits qui vont sortir comme euh, ben, des dérivés de sirop d'érable, de betterave, des nitrates, euh, des éléments qui euh, font partie de la chaîne de, euh, la, du cycle de Krebs, euh, bon, etc., etc. Et là, c'est d'aller voir chacun de ces éléments-là et de voir est-ce que il y a de la littérature, est-ce qu'il y a de l'information là-dessus et d'aller chercher le plus de sources diversifiées? Si je regarde, par exemple, le jus de betterave, on regarde le jus de betterave, euh, on dit que ça améliore les performances en endurance. OK, pourquoi? Si on regarde, bien, il y a des substances dans les jus, le jus de betterave qui vont permettre une meilleure oxygénation périphérique. Donc, ça va permettre de transporter euh, la quantité déjà présente d'oxygène dans le sang de façon plus efficace vers les muscles actifs. Donc déjà là, si j'ai une plus grande efficacité de transport, ça fait du sens de, euh, de supposer qu'il va y avoir une amélioration de l'endurance aérobie. Donc si je suis plus efficace, je peux distribuer plus d'oxygène, plus d'oxygène que j'ai déjà là. Eh bien là, c'est possible que je puisse soutenir une intensité un peu plus élevée, un peu plus longtemps. Donc, ça fait du sens. Là, ce que je vois théoriquement, euh, c'est plausible. Est-ce qu'il peut avoir des effets négatifs pour la santé? Est-ce que c'est rapporté quelque part que la consommation de jus de betterave, ça peut causer certains problèmes? Parce que moi, j'aime bien regarder ça en second. Il y a des gens qui vont dire est-ce que c'est dangereux pour la santé? Moi, ce n'est pas la première question que je vais me poser. Pourquoi? Bien, si le produit n'est pas utile, je m'en fous qu'il soit bon ou pas bon pour la santé. Il n'est pas utile, je ne le prendrai pas de toute façon. Si par contre le produit peut s'avérer être utile, ça sent la logique, la science derrière, ça semble être intéressant, assez pour me convaincre, mais après ça, je regardais OK, ça m'intéresse, mais est-ce que ça peut être problématique pour la santé? mais on peut regarder ben, quels sont les, les effets problématiques qui peuvent découler de la consommation de jus de betterave là on regarde ben, consommation importante oh, il peut avoir des complications gastro-intestinales donc je ne peux pas en prendre en quantité industrielle il va falloir qu'il y ait un certain dosage que je respecte donc là ça nous permet de déterminer un petit peu euh, la nature de la consommation, donc la quantité, la fréquence, euh, peut-être même s'attendre à bon, quels sont les problèmes que, et qui peuvent survenir à la suite de la consommation du produit. Et après ça, je peux prendre la, la, la décision un peu plus éclairée de est-ce que je vais utiliser le produit ou non, est-ce que ça vaut la peine. Si je me trompe dans le dosage, est-ce que la course que je m'apprête à faire... On va tomber à l'eau parce que je vais avoir des complications gastro-intestinales qui vont m'empêcher de continuer. Donc, ça, c'est quand même une problématique majeure. Si j'accorde beaucoup d'importance à la compétition que je m'apprête à faire, puis supplément, potentiellement, si je me trompe dans le dosage, ça peut mettre fin à la compétition. Mais là, le risque est beaucoup plus important que ben, ça se peut être un petit inconfort, mais tu vas être capable de continuer. Euh, donc, là, ben, à ce moment-là, c'est de juger en fonction de, ben, de nous, de ce qu'on a comme information, est-ce que ça vaut la peine de prendre le produit ou non. Et après ça, c'est de tester le produit. Donc, le jus de betterave, je vais simuler une course, je vais le consommer dans les quantités que je prévois utiliser pour l'épreuve. Et là, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'effectivement, il y a une amélioration de mes performances quand je prends le produit? Donc, c'est là qu'il faut comparer des données. C'est là qu'il faut comparer, euh, bon, d'habitude, mon 10 km dans des conditions X, je le cours en tant de minutes. Lorsque j'ai pris le jus de betterave, j'ai vu une amélioration de... Quatre minutes, j'ai coupé quatre minutes sur mon temps. Est-ce que je suis certain que c'est attribuable à ça? Bien, les conditions climatiques, c'était du standard. Le parcours, c'est le même que je fais d'habitude. Donc, je pense que ça peut être attribuable à ça. Mais là, ça devient extrêmement intéressant. Puis là, on peut dire, OK, ben je vais l'essayer en compétition. Si on se rend compte que j'ai l'impression que ça n'a rien changé, je regarde mes temps, je regarde comment je me sens, tout ce qu'est-ce que, qu que j'ai fait comme performance, c'est la même chose, ben je pourrais réessayer peut-être dans des conditions différentes ou dans les mêmes conditions pour voir est-ce que peut-être que ça n'a pas marché cette fois-là, puis là, ça va marcher. Donc, on peut essayer de répéter l'expérience, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a une amélioration, oui ou non. Puis après ça, bien, on décide, est-ce que je juge que l'amélioration que j'ai vécue, que j'ai perçue en utilisant le produit sur mes performances, est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser en compétition? Donc, c'est un peu le, le, le processus. Donc, ça implique qu'on ben, teste, ça implique qu'on vérifie, on mesure l'impact. Et c'est là qu'on a un gros problème avec les suppléments parce que la majorité des suppléments, comment ils sont utilisés, on ne peut pas savoir s'ils ont un effet ou non. Je donne l'exemple des suppléments de protéines qui sont un gros vendeur. Il n'y a pas moyen de savoir si la protéine qu'on consomme est bonne. On n'est pas en mesure de déterminer, ah oui, cette protéine-là, elle a augmenté ma synthèse des protéines post-effort de 25 On ne le sait pas. Donc, les seuls critères réels quand on pose des questions aux gens sur l'évaluation d'un supplément de protéines, c'est est-ce qu'il se mélange bien, est-ce qu'il est bon au goût, puis est-ce que je le digère bien. Ça, c'est les critères principaux là, qui font que la protéine est jugée bonne ou non. Mais ça, c'est. Ces informations-là n'ont rien à voir avec la synthèse protéinique ou l'effet que les protéines sous forme de suppléments peuvent avoir sur l'augmentation de la masse musculaire ou la récupération. Donc, ça devient très difficile de savoir si le produit fonctionne ou non. Alors, c'est là que, même si on met en place un processus pour évaluer l'effet, le commun des mortels n'a pas les outils pour savoir si son supplément fonctionne ou non. Un autre exemple, si je prends de la créatine monohydrate. Une personne va euh, consommer la créatine. La littérature scientifique abonde dans le sens que ça, euh, ça va améliorer les performances. La réalité est que la plupart des gens qui ne vont pas faire des tests de force ou qui vont travailler uniquement avec la perception de l'effort pour dé déterminer leur charge. J'ai forcé, j'ai donné mon max. C'est vraiment juste la perception, on n'a pas de mesure objective de l'effort. Mais à ce moment-là, la prise de créatine, c'est peu probable que ça soit perceptible. C'est peu probable que l'effet d'augmentation du bassin de créatine phosphate dans le muscle se traduise par une augmentation du volume ou de la force musculaire. Donc, c'est peu probable qu'on soit capable de percevoir. Si on a des gens qui ont fait des tests de force, travaillent avec des charges qui sont préétablies à partir des tests de force, là, il y a un peu plus de chances qu'on soit en mesure de détecter un changement. Ceci étant dit, si euh, la personne qui s'entraîne consomme de la créatine et est en mesure d'augmenter son volume d'entraînement de 15 donc on va augmenter une, deux, trois séries euh, par groupe musculaire depuis qu'elle prend de la créatine. Moi, d'un point de vue entraîneur, que ce soit un effet placebo, que ce soit vrai, je m'en fous. Euh, la personne consomme la créatine, produit qui n'a pratiquement pas d'effet secondaire. Euh, depuis qu'elle prend ça, euh, ses performances à l'entraînement s'améliorent. Que ce soit à cause du produit, là, physiologiquement, que ça a un effet réel ou que ce soit juste dans sa tête, moi, ça ne me dérange pas. La personne prend le produit et elle progresse, c'est parfait. D'un point de vue scientifique, j'ai un peu plus de difficultés parce que là, c'est très difficile de savoir. Est-ce que c'est parce que la personne-là est plus motivée, elle est convaincue qu'elle est en mesure de faire plus, puis elle se force pour faire plus, ou c'est réellement ses capacités physiologiques qui sont améliorées? Là, d'un point de vue scientifique, c'est un peu plus difficile. Sauf que d'un point de vue pratico-pratique, bien oui, c'est tout à fait légitime que cette personne-là consomme de la créatine, parce qu'effectivement, c'est à cause de sa consommation de créatine qu'elle lève plus, que ce soit placebo ou physiologique. Donc, c'est important de lorsqu'on va utiliser les suppléments de s'assurer qu'on a un processus d'évaluation qui est mis en place. Donc il faut s'assurer qu'on va chercher à déterminer avec le plus de précision possible c'est quoi l'effet. Est-ce qu'il y a une amélioration depuis que je prends ça Et vous allez réaliser que la majorité des suppléments c'est très difficile à vérifier comme ça. Pour les sports d'endurance, ça se vérifie un petit peu mieux. Pour tout ce qui est musculation, c'est très difficile. Je vous dirais que les, la seule catégorie de suppléments qu'on peut vraiment percevoir l'effort, l'effet sur l'effort, c'est euh, ce sont les, les stimulants. Donc tout ce qui est pré-workout, tout ce qui est euh, caféine, dérivés de caféine et compagnie, euh, ce sont des suppléments où on va vraiment sentir l'effet. Il y a un effet euphorisant, il y a un effet stimulant. Donc les fréquences cardiaques augmentent, la pression artérielle augmente aussi. Donc on on peut vraiment percevoir cet effet-là au niveau de ce type de supplément-là et on a tendance à croire que ça fonctionne. Ce qui est vraiment fascinant, c'est quand on regarde ça, lorsqu'on va regarder entre autres l'effet de la caféine ou des, des dérivés de la caféine euh, comme stimulant, pour la majorité des gens, ce que ça va avoir comme effet, c'est qu'ils euh, ne feront pas un meilleur entraînement. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas une intensité plus grande s'ils s'entraînent cardio, qu'ils ne euh, soulèveront pas nécessairement des charges plus lourdes ou ils ne feront pas nécessairement plus de séries. Donc, l'intensité ou le volume vont rester relativement les mêmes. Ce qui va changer, c'est qu'ils vont trouver ça plus facile. Ils vont être plus motivés, plus stimulés à faire l'effort et l'effort va être un peu plus facile. Mais l'effort comme tel va être le même ou à peu près que les efforts précédents qui étaient faits sans l'utilisation de stimulant. Donc, si c'était juste ça, ben, ce n'est pas problématique. Sauf que ça devient euh, problématique lorsque on se ramasse à avoir besoin du stimulant parce que si le stimulant est pas là là on trouve ça beaucoup plus difficile notre résilience est beaucoup moins bonne et on a tendance à moins en faire donc on se trouve à faire une forme de désentraînement au niveau de notre capacité à soutenir un effort et ça ça peut être problématique surtout parce qu'il va avoir une accoutumance aussi progressivement avec la caféine donc on va se ramasser à être de moins en moins capable à soutenir un effort en absence de stimulant et la prise de stimulant N'améliore pas la qualité de nos entraînements, fait seulement affecter notre perception de l'effort. Donc, c'est sûr qu'il y a sûrement des gens qui vont me dire Oui, mais moi, quand j'en prends, je fais une série de plus. Euh, moi, quand j'en prends, euh, mes charges augmentent. Bien, tant mieux, s'il y a une amélioration des performances. Mais dans l'ensemble, si on regarde. Dans la moyenne des gens, c'est peu probable qu'il y ait une amélioration notable. Et il euh, faut savoir que tout ce qui est stimulant, il faut vraiment bien le planifier parce que ce n'est pas juste une consommation qu'on prend tout le temps. Il faut planifier les périodes où on les prend, il faut planifier la période de retrait du produit où il va y avoir une phase de léthargie. Donc, il faut toujours planifier ces éléments-là. Euh, aussi, ce sont des, des, des catégories de suppléments qui vont affecter beaucoup notre capacité à récupérer. Donc, ça ne va pas enlever la fatigue, ça va masquer la fatigue. Donc, si on a une surcharge d'entraînement, ce n'est pas en prenant des stimulants qu'on va arriver à soutenir et à récupérer de cette surcharge d'entraînement-là. On va peut-être réussir à passer à travers, à trouver ça un peu plus facile ou un peu moins difficile, mais on va avoir encore des difficultés à récupérer. Euh, donc, inévitablement, ça va nous mener à un état de surentraînement ou de sous-récupération qui va être associé à une contre-performance. Puis ça, je ne parle pas uniquement d'athlètes, je parle de n'importe qui, qui qui va s'entraîner de façon relativement assidue et qui va utiliser ces types de suppléments-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien mesurer l'effet et de s'assurer que le supplément que je prends, est-ce qu'il a un effet qui est supposé faire? Est-ce qu'il le fait? Est-ce que je suis capable, moi, de vivre cet effet-là? Donc, c'est pour ça que ça va être important de bien planifier les choses, de bien fouiller. Donc, c'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Puis, quand je parle des suppléments, les gens me disent, ouf, c'est donc bien compliqué. Moi, je, on me dit de prendre tel supplément, je vais le prendre. Ben, c'est bien correct. Sauf que si tu prends un supplément qui n'est pas homologué NSF, ça se peut que tu ingères un produit qui est contaminé. Si tu prends un supplément et euh, que tu n'as pas fouillé, qu'on t'a juste dit que ça fonctionne, ça se peut que tu donnes ton argent à quelqu'un qui veut juste ton argent, que ça n'améliore pas tes performances. Donc, tu prends un produit pour rien. Euh, ça se peut aussi que tu prennes un supplément qui n'est pas approprié. Si tu ne fouilles pas un peu, si tu ne t'informes pas, ça se peut. Si tu ne comprends pas c'est quoi le mécanisme d'action du supplément, mais tu t'exposes à un risque supplémentaire, c'est tu t'en vas au garage, tu, tu expliques une réparation, que tu ne la comprends pas du tout. Puis bien, tu dis OK, je vais payer. Bien, ça se peut que tu te fasses avoir. J'ai une anecdote là-dessus qui ne me fera pas bien paraître, mais j'ai une voiture électrique et puis euh, on, on m'a vendu un, un entretien. On m'a dit c'est un entretien à 200 dollars. C'est vraiment intéressant. Ton auto, on serait rendu là. Fait que je, je dis OK, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on vérifie pas mal tout. Fait que moi, ben, j'ai dit, bah, ben, OK, allons-y, je vais payer 200 pour la vérification. Après ça, quand j'ai reçu mon rapport, on m'a dit que tout était beau, c'était parfait. J'ai dit, bon, ben, okay, moi, j'ai payé, pas pour rien, je sais maintenant que tout est correct. Quand j'ai gardé le détail des tests, il y avait à peu près 75 des tests qui ne s'appliquaient pas à mon auto parce que c'était 200 pour un, une, une inspection qui était faite pour les voitures à essence. Donc, à peu près 75 des tests qui étaient supposés être faits n'étaient pas faits sur ma voiture, mais moi j'ai payé le plein prix. Euh, ben c'est ça, mais c'est Shame on me. C'est moi que, qui aurais dû s'informer de dire ben, Qu'est-ce qu'on va tester et pourquoi? Fait que c'est la même chose avec les suppléments. Si on vous explique que oh, la créatine monohydrate, ça va agir sur les phosphagènes, ça va augmenter ton bassin de concentration intramusculaire. Que... Et si vous comprenez rien, ben vous vous exposez à vous en faire passer une. Et si la personne qui vous l'explique est pas capable de vous l'expliquer pour que vous compreniez, ça se peut que cette personne-là aussi ne comprenne pas nécessairement si bien, qu'elle ait juste les termes dans son vocabulaire, mais qu'elle ne comprenne pas c'est quoi les implications et comment ça marche. Donc, il faut être vraiment prudent. Donc, c'est pour ça qu'il faut fouiller. La beauté de la chose, c'est que maintenant, on a accès à Internet et on a accès à une tonne d'informations. Il euh, faut être en mesure de, de, de recouper cette information-là. Donc, quand on va fouiller, on va utiliser différentes sources sur le, ce supplément-là. On va regarder qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui est rapporté que ça donne. Et on va essayer aussi de trouver euh, de l'information. Qui vont à l'encontre de ce supplément-là. Donc, si je, je prends l'exemple du jus de betterave, je vais essayer de trouver des informations qui disent que jus de betterave, ça ne fonctionne pas. Et je vais essayer de voir ben, pourquoi ils disent que ça ne fonctionne pas, dans quel contexte. Ça, ça va m'aider beaucoup à comprendre. Donc, on ne veut pas euh, faire une chambre d'écho, on ne veut pas juste chercher. Des informations qui confirment que le supplément fonctionne. On veut vraiment le plus possible en trouver qui disent que c'est pas bon, que c'est dangereux, que ça fonctionne pas et des, 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 des informations qui vont dire c'est bon, euh, ça marche, c'est excellent, ça a changé ma vie. Et on, là, on peut avoir une meilleure idée, un meilleur portrait plus complet de Mais c'est quoi le supplément puis qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est difficile. Donc, lorsqu'on utilise des suppléments, il faut, faut se préparer. Là. Il y a un travail de recherche à faire que moi, personnellement, je ne laisserai pas à quelqu'un d'autre. Donc, je ne pas de souci euh, à mon entraîneur de, euh, de, de trouver ce qui est bon pour moi puis me le donner. Moi, je préfère comprendre parce que c'est moi qui vais l'ingérer au final, c'est moi qui vais être le consommateur. c'est pas mon entraîneur, c'est pas la personne qui me le recommande. Donc, moi, je veux vraiment comprendre pourquoi puis qu'est-ce que ça donne et ça bâtit mon, 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 bassin de connaissances en physiologie, ça bâtit au, au niveau de la nutrition. Donc, ça, ça, me permet de mieux comprendre les choses, de mieux m'outiller. Donc, ça, c'est définitivement pas perdu. Donc, c'est pas un quick fix, les suppléments. C'est vraiment euh, quelque chose qui euh, peut être s'avérer extrêmement utile dans des coches, par exemple de la créatine. Euh, dans certaines personnes, moi j'ai certains coureurs qui ne jouent que par le jus de betterave. Ça a drastiquement changé leur performance. Super. J'en ai d'autres qui prennent du jus de betterave, qui disent, moi je trouve ça dégueulasse, ça ne change rien dans mes performances, même si je ne performe pas bien là-dessus. C'est parfait. Ça ne veut pas dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc il faut, faut vraiment chercher à s'informer. Si je, je résume un peu. Au niveau du travail avec les suppléments, première chose, c'est s'assurer de la qualité du supplément. Donc, si on va avoir une certification NSF, on ne veut pas que ça soit écrit, ça c'est grade pharmaceutique. On ne veut pas que ça soit écrit, euh, ça ça respecte les bonnes pratiques ma euh, manufacturiales, GMP. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, c'est une liste de conformité sur une base volontaire. Euh, on ne veut pas se faire dire, moi je l'ai essayé, c'est super bon, euh, ça marche, je te le dis. Oubliez ça, ça c'est anecdotique. Euh, moi, régulièrement, les gens me disent, ah oui, telle protéine est super bonne. Moi, je la prends, là, j'ai vu des changements incroyables. Si tu as vu des changements incroyables avec cette protéine-là, puis c'est juste ça qui aurait pu faire ces changements-là, c'est tu sais que ce n'est pas de la protéine. Euh, c'est des anabolisants, c'est des... peu importe, mais ce n'est pas de la protéine. Là. Donc, il faut faire attention à l'aspect anecdotique. Donc, on veut vraiment s'informer. Que le produit soit qualité. Euh, donc, s'assurer que quest ce qui est indiqué sur l'étiquette, c'est bien ce qu'il y a dedans. Donc, ça aussi, euh, l'homologation NSF va nous aider pour ça. Euh, toutes les autres homologations, il ben, faut en prendre, il faut en laisser. Il y en a plusieurs que c'est sur une base volontaire. Il y en a plusieurs que tu payes, tu l'as. Donc, il faut, faut faire vraiment, vraiment attention. On ne suffit pas non plus à la personne qui le vend. Je, je sais que je me répète, mais c'est important parce que la personne qui le vend elle peut être convaincue et elle peut être de bonne foi en vous disant oui, c'est vraiment bon ce produit-là. Mais la personne qui a expliqué ou qui a vendu à cette personne-là, elle était mal intentionnée puis elle a peut-être induit en erreur cette personne-là de bonne foi. Donc, il faut faire attention. Ensuite de ça, une fois qu'on sait que le produit, il y a un minimum de contrôle de qualité, mais là on va essayer de fouiller ce, ce, ce produit-là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ces effets? Puis, est-ce que ça comble un des besoins? Est-ce que mon facteur limitant dans ma performance euh, que j'identifie peut être euh, enlevé, peut être atténué avec la prise de ce supplément-là? Donc, ça aussi, c'est une question qu'il faut, faut se poser. Puis, c'est là qu'on va fouiller, on va aller voir sur quoi s'agit ce supplément-là. Est-ce que ça va améliorer ma capacité aérobie ou ça travaille sur l'endurance? Est-ce que ça améliore ma force ou ça améliore ma récupération? Donc, à quoi je peux m'attendre? Qu'est-ce qui va changer si je consomme ce produit-là? Et ça se traduit comment dans l'amélioration de mes performances? Si je prends un supplément qui agit sur ma récupération, je ne m'attendrai pas, lorsque je le prends, à ce que dans mon entraînement, je performe mieux. Je vais m'attendre sur un micro-cycle de 7 jours, sur un mésocycle d'un mois, à avoir une amélioration un peu plus importante que ce que je vois d'habitude parce que ma récupération va être meilleure. Encore là, est-ce que ma récupération était le problème? Est-ce que ma progression était limitée par ma capacité à récupérer ou euh, limitée par mon volume d'entraînement? Donc, c'est pour ça que le, le travail est difficile à vraiment chercher, à identifier. Euh, Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça va faire? Et il faut l'évaluer. Donc, comme je le disais, c'est quelque chose qui est très difficile. Euh, ça implique qu'on doit tester. Donc, il va falloir essayer de tester sa capacité ses performances, sa force ou encore sa composition corporelle. Donc, il va falloir l'évaluer pour être en mesure de déterminer l'effet du produit. Puis, bien évidemment, il y a des gens pour qui, ben, on s'en fout. Moi, je prends un supplément, j'aime ça, je me sens bien, je suis heureux, c'est correct. Bien, tant mieux. Euh, c'est correct, mais ça ne veut pas dire que les suppléments, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Alors, donc, l'utilisation des suppléments, c'est quelque chose qui est euh, quand même assez chargé. C'est quelque chose qui est difficile. Euh, c'est quelque chose qui demande un investissement, pas juste financier. Donc, ça prend un investissement au niveau euh, de temps pour vraiment chercher l'information, chercher à comprendre comment ça fonctionne. Euh, ça prend minimalement des notions en nutrition, en physiologie pour être sûr de bien comprendre tout ça. Donc, c'est beaucoup de travail euh, et, et c'est quelque chose que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont être découragés par ça, qui ne le feront pas. Et c'est pour ça que ben, c'est une industrie hyper lucrative. Euh, L'industrie des suppléments, ils font tant d'argent, ce n'est pas parce que les suppléments, ils fonctionnent tous. Parce que la plupart des suppléments ont un effet négligeable sur les performances, donc c'est minime. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas miraculeux. Donc, c'est... Les effets des suppléments ne justifient pas l'argent qui est investi là-dedans. Si on regarde au niveau mondial, la vente de suppléments, l'argent qui est mis là-dedans versus, si on regarde les gains attendus, l'amélioration des performances associées à la majorité des suppléments, l'un ne justifie pas l'autre. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de suppléments qui se vendent, euh, qui ne devraient pas se vendre. Il y a beaucoup de suppléments qui sont achetés, qui ne devraient pas être achetés. Euh, donc, il faut, faut vraiment, vraiment être prudent. Il faut vraiment prendre le temps de s'informer. Donc, en terminant, euh, je vous dirais euh, peut-être, bon. Je dit que je ne parlerai pas de suppléments spécifiques nécessairement, mais je vous dirais les suppléments intéressants, euh, la créatine monohydrate, c'est un supplément qui est super intéressant, j'en ai déjà parlé dans un autre balado. Beaucoup de littérature scientifique là-dessus, c'est un produit qui est quand même stable, euh, qui ne donne pas des effets fulgurants, mais qui est quand même intéressant. C'est un des suppléments qui, qui euh, permet d'avoir le, le, le plus d'adaptation physiologique lorsqu'il est consommé, donc c'est intéressant. Ensuite de ça, bien, les suppléments de protéines, euh, des suppléments variés de protéines, ça aussi, ça peut être intéressant, euh, bien que c'est très difficile de savoir l'effet qu'ils ont. Ensuite de ça, d'autres suppléments qui peuvent être intéressants pour les sports d'endurance, le d'érable, le sirop d'érable, il y a de la littérature scientifique là-dessus, il y a du support scientifique crédible qui nous permet de croire que dans certains cas, ça peut améliorer les performances. Donc, je vous dirais que ça, ce sont des produits qui sont intéressants. Ensuite de ça, des suppléments que on a... Plus tendance à considérer comme des suppléments, mais des suppléments de glucides, euh, que ce soit des gels pour les sports d'endurance, mais ce sont des suppléments nutritionnels, ça aussi ça peut être intéressant, il faut faire attention au dosage, à la quantité qu'on va prendre, faire attention aussi à l'aspect stimulant qu'il peut y avoir dedans, ça peut modifier un peu notre gestion de course, euh, donc les, ces suppléments-là de glucides aussi peuvent être intéressants. Donc, moi, en gros, ce sont les, les suppléments que j'aime bien. J'aime aussi un peu la bêta-alanine, quoique c'est un peu plus difficile à trouver en NSF. Euh, donc, assez, ça, ça peut être un peu, un peu plus problématique. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui la fabriquent, qui sont homologuées NSF. La bêta-alanine aussi, c'est un supplément qui a un peu moins de support scientifique. Euh, mais de façon plus anecdotique, moi, j'ai quelques athlètes qui en ont bénéficié. Que le supplément comme tel ait fonctionné ou que ce soit leur perception puis l'effet placebo, je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est un, un petit peu euh, là-dedans là, que, je, que je vais naviguer là, dans, au niveau des suppléments. Je me tiens loin le plus possible de tout ce qui est euh, pré-entraînement, donc pré-workout et compagnie, par-workout aussi, euh, tout ce qui est stimulant avant, pendant l'entraînement. J'essaie le plus possible d'éviter ça parce que l'effet masquant sur la fatigue vient beaucoup fausser. Euh, les performances. Donc, euh, lorsqu'on va travailler euh, avec des charges euh, d'entraînement objectives, donc prédites à partir de tests de force ou encore des, des puissances d'entraînement aérobie euh, prédites à partir de tests de VO2, euh, ça devient difficile. On ne veut pas masquer la fatigue. S'il y a de la fatigue, je veux le savoir. Si la personne n'est pas capable de compléter l'entraînement parce qu'elle est fatiguée, c'est correct parce qu'on ça nous permet de réajuster l'entraînement. Lorsqu'on va utiliser des stimulants, ça peut retarder ça. Donc, la personne est capable de faire les entraînements bien qu'elle récupère pas de ces entraînements-là et on peut se rendre un petit peu plus loin dans ce cycle-là, puis causer un peu trop de surentraînement, et là, on se ramasse à avoir une période de récupération qui est beaucoup plus longue, puis qui peut parfois vraiment, vraiment hypothéquer une saison. Donc, euh, c'est pas mal ça. Alors, si vous avez des questions, bien, vous pouvez me rejoindre sur le site drkin.com. Euh, ça me fait plaisir que ce soit sur ma page Facebook Drkin ou encore via le site. Je vous encourage fortement à laisser des commentaires. Je vous encourage fortement à communiquer avec moi. N'hésitez pas. Ça me fait plaisir de vous répondre si c'est possible.